une nouvelle de Richard Matheson, Deus Ex Machina. Cela commença le jour où il se coupa avec un rasoir. Jusque-là, Robert Carter était le parfait monsieur tout-le-monde. Âgé de 34 ans, comptable dans une compagnie de chemin de fer, il vivait à Brooklyn avec sa femme, Hélène, et leurs deux filles, Mary, 10 ans, et Ruth, 5 ans. Comme cette dernière était encore trop petite pour atteindre le lavabo de la salle de bain, on lui avait placé dessous une caisse sur laquelle elle pouvait monter. En déplaçant ses pieds pour se pencher vers le miroir au moment de se raser sous le menton, Carter trébucha sur la caisse et tomba. Il fit des moulinets des deux bras pour retrouver son équilibre, tout en resserrant sa prise sur le manche de son rasoir à main. Il laissa échapper un grognement quand son genou heurta durement le carrelage. Son front alla cogner contre le lavabo et sa gorge rencontra la lame du rasoir. Allongé par terre, le souffle coupé, il entendit une galopade dans le couloir. « Papa ?» fit Mary. Il ne répondit pas. Il venait de se relever et contemplait sa gorge entaillée dans la glace. Son reflet semblait superposer deux images. Sur l'une, il voyait du sang couler, sur l'autre. « Papa ?» répéta Mary, d'une voix inquiète. « Tout va bien, » dit-il. Les deux images s'étaient dissociées. Il entendit sa fille repartir tandis qu'il regardait le filet d'huile brunâtre qui s'écoulait de son cou et gouttait par terre. Un frisson spasmodique secoua Carter, qui se saisit d'une serviette pour l'appliquer sur la blessure. Il n'éprouvait pas la moindre douleur. Il écarta la serviette et avant que l'huile écumante ne masque à nouveau la plaie, il eut le temps de distinguer des fils ultra minces gainés de rouge. Les yeux exorbités par la stupéfaction, il recula en titubant. Un réflexe lui fit de nouveau écarter la serviette, toujours des fils et du métal. Hébété, Carter balaya la salle de bain du regard. Une foule de détails qui appartenaient à la réalité s'imposèrent à lui. Le lavabo, l'armoire murale qui servait de glace, le bol en bois contenant le savon à raser, ses bords encore écumeux, le blaireau ruisselant de mousse neigeuse, le flacon de lotion dans les tons verts. Tout cela était bien réel. Les traits tendus, il s'enveloppa fébrilement le cou et se dressa sur la pointe des pieds. Le visage qu'il voyait dans le miroir était apparemment le même. Il se pencha en avant à l'affût d'une quelconque différence. Il éprouva l'élasticité de ses joues, suivie de l'index la ligne de son maxillaire, palpa la partie tendre de sa gorge où séchait un reste de mousse. Aucune différence. Il détourna la tête et considéra le mur à travers un brouillard de larmes, des larmes. Il se toucha le coin de l'œil. Ce fut une goutte d'huile qui ramena au bout de son doigt. Aussitôt, il se sentit pris d'un tremblement incontrôlable. En bas dans la cuisine, il entendit Hélène aller et venir, de même qu'il entendait les filles bavarder dans leur chambre, tout en s'habillant. C'était un matin comme les autres, toute la famille se préparait pour la journée, et pourtant ce n'était pas un jour comme les autres, pas plus tard que la veille, il était un employé, un père, un mari, un homme. Ce matin, Bob. Il tressaillit. Hélène l'appelait au pied de l'escalier, ses lèvres remuèrent comme pour lui répondre. « Il est presque 7h15, » ajouta-t-elle. Et il l'entendit regagner la cuisine. « Dépêche-toi, Mary !» lança-t-elle, avant que la porte se referme derrière elle. C'est alors que Robert Carter eut sa prémonition. Brusquement, il se mit à genoux et entreprit d'éponger l'huile avec une autre serviette. Quand le sol fut d'une propreté immaculée, il nettoya la lame du rasoir, puis il ouvrit le panier à linge et fourra la serviette tout au fond de la pile de vêtements. Il sursauta quand ses filles frappèrent à la porte. « Laisse-nous entrer, papa !» « Une seconde !» s'entendit-il répondre. Il s'examina dans la glace, de la mousse sur la figure. Il l'essuya. Ses joues étaient encore bleues de barbe. Où étaient ses fils ?« Je suis en retard, papa !» dit Mary. Voilà ! Il releva le col de sa robe de chambre pour dissimuler sa coupure, aplatit le pansement de Fortune de façon qu'il passe inaperçu, respira à fond, mais était-ce bien l'expression juste, et ouvrit. « Je me lave la première !» dit Mary en se précipitant vers le lavabo. « Je dois partir à l'école !» Ruth fit la moue. « Moi, j'ai des tas de choses à faire. »« Ça suffit, » dit Carter. Ces mots étaient des vestiges du passé, d'un temps où il était un homme, un père. « Soyez sage !»« Il faut que je me lave la première !» s'obstina Mary en tournant le robinet d'eau chaude. Carter, immobile, regardait ses filles. « Qu'est-ce que c'est que ça, papa ?» demanda Ruth. Il tressaillit sous le coup de la surprise. La fille désignait des taches d'huile sur le bord de la cuvette. Elles avaient échappé à l'attention de Carter. « Je me suis coupé. » S'il les essuyait assez vite, les enfants ne s'apercevraient pas que ce n'était pas du sang. Il s'y employa avec un mouchoir en papier, jeta celui-ci dans les toilettes et tira la chasse. « C'est une grosse coupure ?» demanda Mary, qui se savonnait déjà les joues. « Non. » Incapable de regarder ses filles plus longtemps, il sortit précipitamment. « Le petit déjeuner est prêt, Bob. »« C'est bon, » marmonna-t-il. « Bob ?» « J'arrive. »« Hélène !» Il se planta devant le miroir de la chambre et s'examina de la tête aux pieds, confronté à une foule de mystères. Ablation des amygdales, ablation de l'appendice, soins dentaires, vaccination, piqûres, analyse de sang, radioscopie. Toute la toile de fond devant laquelle il avait joué son rôle d'être apparemment mortel. Une toile de fond faite de sang, de tissus, de muscles, de glandes et d'hormones, d'artères et de veines. Des mystères sans réponse. Il se débarrassa de la serviette qu'il avait autour du cou, appliqua un large carré de sparadrap sur sa plaie, puis s'habilla avec des gestes rapides et désordonnés, s'efforçant de ne pas réfléchir. « Bob, tu descends ?» appela Hélène. Il acheva de nouer sa cravate comme s'il l'avait nouée des milliers de fois. Maintenant qu'il était habillé, il ressemblait à un homme. Il contempla son reflet. Oui, il avait tout d'un homme. Rassemblant ses forces, il fit demi-tour, passa dans le couloir, descendit l'escalier, traversa la salle à manger. Sa résolution était prise. Il ne devait rien dire à Hélène. « Ah, te voilà !» Elle l'examina. « Où t'es-tu coupé ?»« Quoi ?» ?»« Les petites m'ont dit que tu t'étais coupé. Où ça ?»« Au cou, mais rien de grave. » « Fais-moi voir ça. »« Tout va bien, Hélène. » Elle le dévisagea d'un air intrigué. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, je suis en retard, c'est tout. » Les yeux d'Hélène se posèrent sur son cou. Le pansement dépassait légèrement du col de sa chemise. « Ça saigne encore ?» Carter eut un sursaut et posa la main sur sa plaie. Le pansement était taché d'huile. Il jeta un regard ahuri à Hélène. Et eut une nouvelle prémonition. Il fallait qu'il parte tout de suite. Il quitta la cuisine et sortit sa veste de la penderie située près de la porte d'entrée. Elle avait vu du sang. Ses talons sonnaient sur le trottoir tandis qu'il s'éloignait d'un pas vif. Il faisait froid. C'était un matin gris et neigeux. Il n'allait sans doute pas tarder à pleuvoir. Il frissonna. Une réaction absurde maintenant qu'il savait ce qu'il était. Mais le fait était là. Il était glacé. Elle avait vu du sang. D'une certaine façon, cela le terrifiait encore plus que de connaître sa véritable nature. Il était douloureusement évident que le pansement était imbibé d'huile. Le sang n'avait ni le même aspect, ni la même odeur. C'était pourtant du sang qu'elle avait vu. Pourquoi ? Ses cheveux blonds, légèrement ébouriffés par le vent, Robert Carter avançait dans la rue en essayant de faire le point. Pour commencer, il était un robot. S'il avait jamais existé un Robert Carter humain, celui-ci avait été remplacé. Mais pourquoi ? Plongé dans ses pensées, il s'engagea dans l'escalier du métro. Des gens se pressaient autour de lui. Des gens dont la vie était sans mystère. qui se savait composé de chair et de sang et n'avait pas à se poser de questions à ce propos. Sur le quai, il passa devant un kiosque à journaux et vit, en gros titre d'un quotidien du matin, « 3 morts dans un accident de la route ». Et il y avait une photo. Des autos réduites en bouillie, des corps inertes, en partie recouverts, sur une autoroute sinistre. Des ruisseaux de sang. Il frissonna en imaginant son cadavre sur le cliché, un cadavre baignant dans une mare d'huile. Debout, au bord du quai, il s'absorba dans la contemplation des rails. Était-il possible que son moi humain ait été remplacé par un robot ? Qui aurait pris la peine de se livrer à une telle substitution? Et cela accompli, qui se serait satisfait d'une imposture aussi facile à découvrir, une coupure, une égratignure, voire un saignement de nez, et la supercherie apparaissait au grand jour? À moins que ce coup sur la tête, quand il avait heurté le lavabo, n'ait détraqué quelque chose. Sans cela, peut-être n'aurait-il vu que du sang et de la chair après s'être coupé. Plongé dans ses pensées, il sortit machinalement d'une pièce de la poche de son pantalon et la glissa dans un distributeur de chewing-gum. Il tira sur la poignée le petit paquet dégringola. Il avait déjà arraché la moitié du papier d'emballage quand l'incongruité de la chose le frappa. Mâcher de la gomme? Il grimaça, imaginant des engrenages en train de tourner dans sa tête. Des leviers accouplés à des bielles, elles-mêmes accouplées à des dents artificielles, le tout répondant à une impulsion synaptique. Il fourra le chewing-gum dans sa poche. La station se mit à vibrer à l'approche d'une rame. Carter tourna la tête vers la gauche et distingua au loin les yeux rouges et verts de l'express de Manhattan. Il regarda de nouveau devant lui, quand la substitution avait-elle eu lieu? La nuit dernière, la nuit d'avant? L'année dernière? Non, c'était invraisemblable. La rame passa devant lui dans un brouillard de fenêtres et de portes. Un souffle tiède et vicié le gifla. Il en sentit l'odeur. Cligna les paupières pour se protéger les yeux du tourbillon de poussière. Le tout en quelques secondes. En tant que machine, il avait des réactions si proches de celles d'un être humain que c'en était incroyable. La rame s'immobilisa dans un crissement et Carter se laissa entraîner par la cohue à l'intérieur de la voiture qui lui faisait face. Il se retrouva près d'un montant qui l'agrippa pour se maintenir en équilibre. Les portes coulissantes se refermèrent et le train redémarra. Où allait-il? Se demanda-t-il soudain. Certainement pas à son travail. Alors où? Réfléchir, se dit-il. Il avait besoin de réfléchir. C'est alors qu'il se surprit à regarder fixement son voisin. L'homme avait un pansement à la main, un pansement taché d'huile. Il se retrouvait comme devant la glace, le cerveau pétrifié par le choc, les membres engourdis. Il n'était pas le seul. Urgence, lisait-on en lettres de néon au-dessus de la porte. Robert Carter posa une main tremblante sur la poignée et ouvrit la porte. Il ne lui fallut qu'un moment pour trouver ce qu'il cherchait. Un accidenté de la route, un automobiliste qui se rendait à son travail, un pneu qui avait éclaté, un camion. Debout dans le couloir, Carter regardait l'homme allongé sur la table. On était en train de le panser. Il avait une profonde entaille au-dessus de l'œil. De l'huile lui coulait sur la joue et gouttait sur son costume. « Il faut aller dans la salle d'attente, monsieur. » Carter sursauta en entendant la voix de l'infirmière. « Quoi ? Je vous dis qu'il faut ?» Elle se tut en le voyant tourner les talons et gagner la sortie. Il suivit lentement le trottoir dans le matin d'avril, sourd aux rumeurs de la ville. Ainsi, il y avait d'autres robots. Dieu seul sait combien. Qui marchait parmi les hommes à l'insu de ceux-ci ? Même s'il leur arrivait un accident, ils passaient inaperçus. C'était cela le plus délirant. Cet homme à l'hôpital était couvert d'huile et personne ne s'en était rendu compte. Il fit halte. Il se sentait terriblement lourd. Il fallait qu'il se repose un peu. Il n'y avait qu'un seul client dans le bar, un homme assis au bout du comptoir qui buvait une bière, tout en lisant le journal. Carter se jucha sur un tabouret de cuir et enroula ses pieds fatigués autour de ceux de son siège. Immobile, les épaules voûtées, il s'abîma dans la contemplation du comptoir de bois sombre et miroitant. Douleur, confusion, peur, appréhension se mêlaient et se bousculaient en lui. Y avait-il une solution? Ou était-il condamné à errer ainsi désespérément? Déjà, il lui semblait qu'il y avait un mois qu'il avait quitté sa maison. D'ailleurs, ce n'était plus sa maison. À moins que... Il se redressa lentement. S'il y en avait d'autres comme lui, se pouvait-il qu'Hélène et les petites soient du nombre? L'idée le dégoûtait, l'attirait à la fois. Il avait follement envie de les retrouver. Mais comment pourrait-il éprouver les mêmes sentiments envers elle, en les sachant également composés de fils de métal et d'impulsions électriques? Comment pourrait-il leur expliquer tout cela puisque, si elles étaient des robots, elle l'ignorait manifestement? Sa main retomba bruyamment sur le bar. Dieu qu'il était fatigué. Si seulement il pouvait se reposer. Le barman sortit de l'arrière-salle. « Qu'est-ce que ce sera ?» demanda-t-il. « Un scotch on the rocks » répondit machinalement Carter. Alors qu'il attendait tranquillement que le barman le serve, cela lui traversa l'esprit. Mais comment boire ça ? Le liquide fait rouiller le métal, griller les circuits. Une vague de terreur le submergea quand le barman posa le verre devant lui. « Non, cela ne fait pas rouiller, pas ça !» Il frissonna et contempla le verre, tandis que le barman s'éloignait pour lui rendre la monnaie du billet de 5 $ qu'il lui avait donné. De l'huile. Il avait envie de hurler. Un verre d'huile. Oh mon Dieu! Il se laissa glisser de son tabouret et se dirigea vers la sortie en trébuchant. Dehors, il eut l'impression que la rue tournoyait. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Pris de vertige, les paupières battantes, il s'appuya contre une vitrine. Sa vision redevint normale. À l'intérieur de la cafétéria, un homme et une femme étaient en train de déjeuner. Carter en resta bouche bée. Des assiettes de graisse, des tasses d'huile. Le flot des passants faisait de lui un îlot battu par leur remous. Combien y en avait-il, Dieu du ciel, combien était-il? Et l'agriculture, les champs de céréales, les jardins potagers, les vergers, et les bœufs, les agneaux, les porcs, et les industries alimentaires, les conserveries, la boulangerie. Non, il fallait faire marche arrière, mettre un frein à son imagination, s'en tenir à une hypothèse simple. Il s'était cogné la tête et perdait contact avec la réalité. Les choses restaient ce qu'elles avaient toujours été. C'était lui qui n'était plus le même. Carter se mit à renifler l'odeur de la ville. Une odeur d'huile chaude et de rouages en mouvement. L'odeur d'une immense usine invisible. Il tourna la tête de tous côtés, les traits figés en un masque de terreur. Seigneur Dieu, combien y en avait-il? Il eut envie de s'enfuir en courant, mais cela s'avéra impossible. À peine s'il pouvait bouger. Il poussa un cri. Il était en train de tomber en panne. Il entra dans un hôtel et s'avança dans le hall, très lentement, d'une démarche saccadée, mécanique. Une chambre. L'employé de la réception lorgna d'un œil soupçonneux cet homme aux cheveux en désordre, au regard étrangement hanté, avant de lui tendre un stylo pour signer le registre. « Robert Carter », inscrivit-il laborieusement, comme s'il avait oublié l'orthographe de son nom. Une fois dans la chambre, il verrouilla la porte et se laissa choir sur le lit. Immobile, il examina ses mains. Il arrivait en bout de course, comme une horloge qui ne connaissait ni son constructeur ni son destin. Il existait une dernière possibilité, démente, fantastique, mais c'était maintenant la seule à sa portée. La Terre était envahie, chaque humain remplacé par son double mécanique. Cela avait commencé par les médecins, les entrepreneurs, les pompes funèbres, les policiers, quiconque était amené à se trouver en contact avec des corps démasqués. Ils étaient conditionnés à ne rien voir. Lui-même, en tant que comptable, devait figurer en tête de liste. Il faisait partie des structures de base de l'économie de marché. Il Carter ferma les yeux. C'était complètement stupide, stupide et impossible. Il lui fallut plusieurs minutes rien que pour se mettre debout. Avec des mouvements léthargiques, il préleva une enveloppe et une feuille de papier dans le tiroir du bureau. Celui-ci contenait aussi une Bible qui attira son regard, une Bible écrite par des robots. Cette idée lui fit horreur. Non, il devait y avoir des humains en ce temps-là. Cette abomination devait être récente. Il décapuchonna son stylo et essaya d'écrire à Hélène. Tout en cherchant ces mots, il plongea une main dans sa poche pour y prendre un chewing-gum. C'était une habitude chez lui. À l'instant où il allait porter la tablette à sa bouche, il prit conscience que ce n'était pas du chewing-gum, c'était un morceau de graisse solidifiée. La chose lui tomba de la main. Le stylo glissa de ses doigts gourds, tomba sur la carpette et il comprit qu'il n'aurait pas la force de le ramasser. Le chewing-gum, le verre dans le bar, ce que mangeait le couple dans la cafétéria. Quelque chose le poussa à lever les yeux. Quelle était cette pluie qui commençait à tomber? La vérité s'abattit sur lui. Juste avant qu'il ne s'effondre, son regard se riva de nouveau à la Bible. Et Dieu déclara, « Faisons l'homme à notre image », pensa-t-il. Puis les ténèbres l'engloutirent. Une nouvelle de Richard Matheson, Deus Ex Machina. Extrait du recueil de nouvelles La touche finale, l'intégrale des nouvelles, publié dans la collection Imagine de Flammarion. Narration, réalisation sonore et capsule musicale, Eric Hansen.